Bonjour. Aujourd'hui, 3 septembre, nous célébrons Saint Grégoire le Grand. Grégoire était un haut fonctionnaire romain. À l'âge de 35 ans, il abandonna tous ses biens afin de rentrer dans un monastère qu'il avait fondé quelques années auparavant. Vu son intelligence et sa dévotion, il fut interpellé pour servir l'œuvre de Dieu, ce qui l'obligea à quitter son monastère. Il commença dans l'Église catholique en tant que diacre. À la mort du pape, Saint Grégoire fut élu pape. Il fonda de profondes réformes dans l'Église. La grandeur de ses œuvres lui valut le titre « le Grand ». Saint Grégoire est l'un des 4 grands docteurs de l'Église d'Occident. On lui doit de nombreuses œuvres spirituelles, dont les dialogues. Il mena une vie austère et mourut à l'an 604, le 12 mars. Saint Grégoire dit, je cite, « Ce sont les vices de la chair, et non la chair elle-même qu'il faut détruire. En effet, même si la chair est parfois séductrice, elle constitue une aide pour le bien. » Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui se prénomment Grégoire. Nous espérons que vous êtes des grands. Nous vous invitons à revoir l'histoire via le lien en description. Merci de liker, partager et de vous abonner. À demain pour un autre numéro d'Histoire des Saints.